Ah, ça va. Ça fait déjà un petit moment, puisque notre dernier rendez-vous, c'était au mois de novembre, donc il s'est écoulé 3 mois. Voilà, on retrouve contact avec la France, nos supporters, le Stade de France, puisque nos deux derniers matchs étaient en Espagne et en Italie, c'était à l'extérieur. Donc, match de prestige, c'est une très bonne équipe allemande. Ça fait quoi? Ça fait un an, hein, depuis que je me suis blessé, 2 fois en plus. Honnêtement, ça fait du bien. Je revois mon pote. Oh, bah, c'est bon, quoi. Ça fait plaisir, moi. Ça va? Tu vas bien? J'ai vraiment galéré pour y arriver, mais maintenant c'est du passé et je vais essayer de tout donner pour rester au plus haut niveau. Et je pensais jamais arriver à ce stade-là. Pour moi déjà la Ligue 1 c'était exceptionnel, alors l'équipe de France c'est juste magnifique. Et je vais essayer de mouiller le maillot tout simplement et de prouver que j'ai ma place. On n'a pas beaucoup de temps. On a un entraînement à décrassage et après ce sera la veille du match. Voilà, se préparer au mieux possible parce que c'est vrai que derrière, après, on aura aussi 2 matchs à domicile, que ce soit la Géorgie et l'Espagne. Donc 2 matchs très importants pour la qualification pour le Brésil. Donc j'espère que ce match nous servira et on affinera encore beaucoup, beaucoup de choses. L'Allemagne reste parmi les meilleures équipes européennes, si ce n'est du monde. Donc c'est bien pour le public français, c'est bien pour nous aussi, c'est un bon test. Un peu bizarre de jouer contre Lahm et Müller sur le côté. Après voilà, après dès qu'on est sur le terrain, on y pense moins et on essaie de faire son jeu. En ouvrant le score, malheureusement, ils sont revenus au score et puis ils ont réussi par l'emporter. Mais je pense qu'on a fait de bonnes choses et c'est sûr qu'il y a eu il y aura des choses à corriger. Mais bon, faut pas s'arrêter là. On sait que l'objectif c'est la qualification pour la Coupe du Monde. On savait qu'en deuxième mi-temps ça allait être compliqué, qu'ils allaient pousser.
c'est à nous d'essayer de ne pas commettre d'erreur. Voilà, malheureusement, sur une petite erreur de concentration, on prend cette égalisation. Puis à partir de ce moment-là, ben, ils ont eu l'ascendant sur le match. Et voilà, ils ont eu une bonne position de balle au milieu du terrain. C'était dur à les bloquer. Alors là, avec un grand Ozil ce soir qui délivre une belle passe décisive à Khedira qui fait le 2-1. On est dessus, mais pas abattu. Voilà, au contraire, faut retirer les bonnes choses qui ont été ce soir et les mauvaises choses aussi pour, dès les prochains matchs, ben, voilà, repartir de l'avant. Et ça va être deux matchs très importants, donc il va falloir les gagner et c'est ce qu'on va essayer de faire. Oui, ça a été un bon test et on sait que le plus important, ça reste quand même, comme je l'ai dit, les qualifications pour le Mondial. Et on sait qu'on va avoir deux confrontations qui vont être très difficiles, ben, à nous de bien les négocier.